Sud Radio, on parle immo, les 48 secondes. Avec Efficity by Foncia, pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, suite au confinement, peut-on se rétracter sans frais lors d'un achat immobilier ? Bonjour Marc. Confinement ou pas confinement, dès la signature d'un compromis de vente, le vendeur et l'acheteur d'un bien immobilier sont engagés. Ils doivent donc respecter leur engagement. Toutefois, l'acquéreur qui a signé le compromis de vente peut se rétracter sans avoir de dédommagement à payer au vendeur, seulement dans deux cas prévus par la loi. Le premier, et ce uniquement lorsqu'il s'agit de la vente d'un bien d'habitation, la loi prévoit un délai de rétractation durant lequel l'acquéreur peut renoncer à son achat sans justification. Depuis 2015, ce délai est passé de 7 à 10 jours. Second cas qui autorise l'acheteur à se rétracter, c'est lorsque le compromis de vente comporte des clauses suspensives comme, par exemple, l'obtention d'un prêt ou la faisabilité d'un projet de construction. Il faut alors que ces conditions suspensives soient réalisées dans un délai prévu dans le compromis de vente. Attention, le vendeur est en droit de demander à l'acheteur de prouver qu'il a bien engagé des démarches, sinon ce serait trop facile de renoncer à son engagement. Dans le cas où l'acheteur refuse de signer l'acte authentique, sans motif réel ou passer les délais prévus, le vendeur, lui, pourra soit renoncer à la vente et demander des dommages et intérêts, soit faire exécuter la vente en faisant condamner par voie judiciaire l'acquéreur à se rendre chez le notaire afin de signer l'acte définitif de vente. Voilà Marc, maintenant vous savez tout sur les conditions d'une éventuelle rétractation lors d'un achat immobilier. Merci Frédéric Fougera. On rappelle que cette chronique 48 secondes, on la retrouve sur la playlist Efficity by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Très bon week-end, très belle semaine à vous Frédéric, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Voilà Philippe, on parle immo, c'est terminé, la semaine prochaine on va parler d'immobilier de luxe et on va essayer de comprendre pourquoi ce segment immobilier, il n'a pas vraiment subi la crise du coronavirus. On en parlera avec les piliers de la bande dont parle immo, hein, Christophe Dupont-Avis d'Efficity, Jean-Christophe Bocon-Gibaud du site lepartenaire.fr et bien sûr Corinne Joly, présidente du groupe PAP. Qui sont tous des gens de grand luxe. Merci beaucoup mon cher Marc. D'ici là, on se retrouve dans quelques instants avec Natacha Arrive aux animaux. Avec Check My House, pour être bien dans votre bien.